Coucou les amis, alors aujourd'hui j'aimerais vous partager un sujet que j'ai eu moi à travailler personnellement vraiment de manière très profonde. J'ai eu à creuser, à transformer. C'est un sujet qui est extrêmement important autant pour votre vie personnelle que pour votre vie professionnelle. Moi c'est un sujet qui m'a mangé, mais vraiment rongé, qui m'a empêché de me stabiliser, qui m'a empêché longtemps de réellement faire ce que je voulais et qui m'a insécurisée. Ce sujet là c'est quoi? C'est l'argent. Et vous savez quoi? L'argent n'est pas le problème. L'argent n'a jamais été le problème, l'argent ne sera jamais un problème et l'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est votre projection avec l'argent. Mon problème, c'était mes projections avec l'argent, le lien que j'avais avec l'argent et de tout ce que ça pouvait comprendre derrière. Je vais vous en dire un peu plus, mais déjà dans un premier temps, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Fanny, je suis coach thérapeute. Et ici, je partage mon expérience en tant que femme, en tant que coach thérapeute et aussi en tant qu'entrepreneur. Je partage mes expériences, les expériences de mes clientes, mes obstacles et puis mes prises de conscience, les obstacles de mes clientes et leurs prises de conscience. Je pourrais vous faire des longs discours sur le développement personnel, mais pour moi, il n'y a rien de plus valorisant et il n'y a rien de plus fort que de partager son expérience et de partager tout simplement ces résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, il y a toujours un apprentissage derrière. Je vous partage ça pour que vous puissiez trouver votre élan et que vous puissiez tout simplement vous épanouir au fur et à mesure. Si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous mets en bas le lien, tout simplement pour mes programmes en ligne et aussi tout simplement si vous voulez travailler avec moi lors d'un accompagnement en privé. Pourquoi l'argent n'est pas le problème et pourquoi l'argent ne sera jamais un problème ? Tout simplement parce que c'est votre manque de confiance, c'est votre perception de l'argent, c'est le lien que vous avez avec vous-même et avec l'argent qui fait que soit vous êtes ok et que vous allez générer de l'argent et que vous allez générer des opportunités pour gagner de l'argent, soit qui fait que vous n'êtes pas ok avec vous-même et avec l'argent et pour le coup, vous allez bloquer. En fait, l'argent est un miroir. Donc l'argent représente une partie de vous que soit vous acceptez et du coup c'est ok et vous laissez venir cette énergie à vous, soit vous ne l'acceptez pas et du coup vous allez créer tout un tas de comportements et tout un tas d'obstacles pour ne pas en avoir. Moi lorsque j'ai travaillé sur l'argent, je vais vraiment faire une vidéo plus personnelle. Lorsque j'ai travaillé sur l'argent, j'ai découvert que je manquais de confiance en moi, que je ne méritais pas, entre guillemets, dans mon système de pensée, je ne méritais pas de gagner de l'argent. Ensuite de ça, l'argent, c'était tout un tas de liens aussi avec ma famille. C'était le fait de manquer, c'était un lien avec mes parents, c'était un lien avec mes frères et autres. C'était tout simplement dû à des schémas que l'enfant en moi, quand j'étais toute petite, avait mis tout un tas de comportements pour être certain de garder un lien de sécurité avec la mère, avec le père, avec les différents frères. Donc j'ai dû regarder tout ça et j'ai dû mettre de la conscience et transformer tout ça. J'ai dû aussi travailler sur le sentiment de honte, le fait que si je réussis bien ma vie, comment on va me regarder? Est-ce qu'on va m'accepter? J'ai dû aussi travailler sur le fait que est-ce que si je gagne bien ma vie, est-ce qu'un homme pourra m'accepter en tant que femme indépendante et autonome à 100%? J'ai dû aussi travailler sur le fait que j'étais addict à une instabilité. J'étais quelqu'un qui bougeait tout le temps, qui voyageait tout le temps. Donc, dès que je commençais à me poser et à gagner convenablement ma vie, il y avait toujours un truc qui faisait que, paf, je me mettais dans une situation d'instabilité. Il y avait aussi tout simplement le lien de « je mérite », mais aussi par rapport à la spiritualité. Parce que la spiritualité est souvent en lien, est souvent associée à une espèce de pauvreté ou à une espèce de compassion où je donne et je m'oublie. Donc j'ai dû aussi dissocier ça pour tout simplement me dire « mais moi je suis spirituelle, moi je m'écoute, moi je suis connectée à moi ». Et en même temps, j'ai envie de vivre dans l'abondance, j'ai envie de vivre dans la lumière, j'ai envie de vivre en ayant
tout ce que je veux, tout ce que je souhaite. Et en créant une entreprise qui va générer de l'argent, déjà pour prendre soin de moi, pour pouvoir grandir l'entreprise, et puis en plus de ça, pouvoir prendre soin aussi derrière d'autres personnes. Donc vous voyez, il y a eu comme ça plusieurs choses à travailler. Donc très souvent, quand on parle d'argent, les gens disent « ouais, c'est le manque, c'est comme ça ». Oui, il y a le filtre du manque, je peux regarder le monde avec le manque, et dans ce cas-là, c'est une très bonne excuse. C'est une très très bonne excuse pour surtout pas faire d'efforts et pour pointer les autres du doigt. Ou alors je peux me dire, ok, il y a le monde du manque, mais il y a aussi un monde d'abondance. Et ce monde d'abondance, pour y avoir accès, je dois changer mes schémas, mes interprétations et tous mes comportements qui sont inconscients. Donc il y a besoin de temps pour transformer tout ça de manière à passer de l'autre côté. Parce qu'avant c'était très simple, j'osais pas imposer un tarif. J'avais pas confiance en moi, donc j'osais pas imposer un tarif. J'osais pas... Quand on me proposait un contrat, je n'osais pas discuter le prix. Donc du coup, ben, je ne discutais pas le prix. Je n'osais pas m'imposer quand je faisais des heures sup. Donc c'était simple, mon employeur il me demandait de faire plein d'heures sup et j'étais jamais payée pour ces heures sup. Je n'osais pas tout simplement développer une entreprise pérenne. Je passais mon temps à survivre, j'étais dans de la survie tout le temps. Donc du coup, j'étais tout le temps dans une instabilité. Et tout ça, c'était une espèce de cercle vicieux qui, en fait, se nourrissait. C'était le serpent qui se mordait la queue. Donc, à un moment donné, j'ai dû couper le serpent. Excusez-moi pour l'image, mais j'ai dû prendre la décision ferme de dire maintenant, ça suffit, couper le serpent et faire un travail vraiment profond et vraiment aller chercher la source de la source. Et il y avait plusieurs sources. Et la grosse source, j'ai envie de vous dire, il y avait plusieurs sources et il y avait vraiment un truc qui nourrissait tout ça. Et le truc qui nourrissait tout ça, c'était tout simplement que je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas assez pour faire les choses, pour m'écouter et pour faire les choses comme c'était bon pour moi. J'avais peur qu'on me juge, j'avais peur qu'on me regarde mal, j'avais peur de ne pas plaire à un homme, j'avais peur de ne pas plaire à ma mère, j'avais peur, j'avais tout un tas de peurs qui en fait ne me concernaient même pas. Ça concernait le jugement des autres. La manière dont les autres pensaient. Et c'est important pour moi de vous partager ça parce que le nerf, très souvent, le nerf de nos problèmes, c'est l'amour de soi, bien évidemment. Mais l'amour de soi, après, il se répercute de manière différente dans les différents domaines de nos vies. Et l'argent n'est pas un problème. L'argent n'est pas un problème. Tout comme le fait de ne pas tomber sur le bon partenaire et tout ça, ce n'est pas le problème du partenaire. Le problème, il est très souvent beaucoup plus profond. Et cette blessure qui est profonde, elle impacte de différentes manières. Et tant qu'on n'a pas le courage de réellement se regarder en face et de réellement regarder tout ça sans jugement, sans remettre en question sa valeur, mais juste de regarder et de transformer, et eh bien on tourne en rond, encore et encore et encore et encore. Donc déjà, par rapport à ça, je vais vous donner un exercice. Je vais vous donner deux exercices. Le premier exercice, c'est de prendre une feuille et de noter tout ce que vous avez entendu pendant votre enfance ou petite enfance ou dernièrement, tout ce que vous avez entendu par rapport à l'argent. L'argent, c'est la source du mal. Ta mère, si elle est comme ça, c'est à cause de l'argent. Ton père, s'il est comme ça, c'est à cause de l'argent. J'en sais rien, tout ce que vous avez entendu, si tu es spirituel, alors l'argent, il faut t'en détacher, enfin, etc., etc. Tout ce que vous avez entendu au sujet de l'argent, vous le mettez sur une feuille. Un truc qu'on entend très souvent, c'est les gens riches, ils sont cons, ou les gens riches, ils sont pas bien. Du coup, nous, on n'a ni envie d'être cons, ni envie d'être pas bien, donc on est pauvres. Alors que ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir, c'est des choses qui sont totalement différentes. Donc prenez une feuille, notez tout ce que vous avez déjà entendu par rapport à l'argent, ok? Et dans un deuxième temps, vous prenez une autre feuille et vous notez votre situation financière et tout ce qui s'est passé par rapport à votre situation financière. Les bons côtés comme les mauvais côtés, les jours où ça allait bien et les jours où ça n'allait pas bien. Et regardez le lien entre ces deux choses et déjà, vous allez voir énormément de coïncidences entre les deux et vous allez déjà commencer à avoir des prises de conscience par rapport à ça.
Voilà, mettez-moi en bas quel est votre lien par rapport à l'argent. Est-ce que vous avez déjà fait un travail par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà pensé que l'argent n'était pas le problème, mais que c'était tout simplement des histoires de croyances et de liens par rapport à l'histoire que vous racontez par rapport à l'argent? Mettez-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et puis, je vous remercie infiniment. Likez, partagez, parce que ça peut rendre service à d'autres personnes. Et puis, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée. Et puis, je vous dis à demain. Ciao!